Chaque année, le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine est un véritable événement pour la profession. Cette année, forcément impossible d'organiser un tel salon. Les organisateurs ont pourtant décidé de maintenir un format virtuel de ce salon sous forme de semaine de l'agriculture avec beaucoup de débats et beaucoup de grands événements donc à distance pour mieux comprendre l'agriculture qui notamment cette agriculture locale et régionale a été véritablement à l'honneur de ce confinement pour pouvoir nourrir les populations. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette émission avec toute la rédaction donc de TVTET qui se mobilise pour vous faire découvrir donc à la fois les coulisses de ce salon mais aussi et surtout les exploitants et les décisions stratégiques, les attentes qu'ils ont, notamment par rapport à cette agriculture du monde d'après. Pour commencer, je vous propose donc d'écouter pourquoi ce salon de l'agriculture a été maintenu à cette période difficile. Nous prenons tout de suite la direction de cette semaine de l'agriculture virtuelle. On a pris la décision de faire un salon digital en remplacement du salon de l'agriculture. Ce salon digital, en réalité, c'est une semaine de communication de l'agriculture. On demande aux agriculteurs de prendre eux-mêmes la parole pour expliquer leur métier. Et ça tombe à point nommé après 2 mois de confinement, où l'agriculture a joué pleinement son rôle pendant la période de confinement, pour dire tout simplement à l'ensemble de la société que l'agriculture Nouvelle-Aquitaine change dans ses pratiques, est toujours attachée à la création de valeur au travers de produits de qualité, mais elle a adhéré, c'est le premier secteur d'économie à avoir adhéré globalement à Néoterra en 2019, et à se remettre en cause dans cette crise du Covid, avec pas mal de succès, beaucoup d'ingéniosité des producteurs eux-mêmes pour trouver les bons circuits de commercialisation pour leurs produits et atteindre le consommateur qui était confiné. Bref, on passe tout simplement de l'agribashing qu'on a connu ces derniers mois aux agro-solutions d'aujourd'hui. Et ce salon tombe à point nommé pour rappeler à tous les décideurs publics, que ce soit la région ou l'État, que l'agriculture doit s'inscrire dans les moyens du plan de relance. C'est vrai que durant la période de confinement, eh bien, on n'était pas dans l'urgence puisqu'on était un secteur protégé, c'est-à-dire obligé de travailler pour nourrir nos concitoyens. Mais ça fait quand même des pertes énormes suivant les filières. Et il faut à tout prix que l'agriculture ait les moyens de redémarrer au plus vite avec la réouverture à restauration, de la restauration hors foyer, des filières normales d'écoulement des produits, avec une distribution, j'espère, qui restera citoyenne. Mais les Français méritent et les Aquitains méritent d'avoir une alimentation saine et de qualité que les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine proposent à longueur de temps. L'agriculture vit depuis des générations cachée, sans prendre la parole. Beaucoup de monde parle d'agriculture sans la connaître. Les agriculteurs vivent ça très mal. Mais aujourd'hui, on dit tout simplement à tous les agriculteurs, osez prendre la parole vous-même, faites la promotion de vos pratiques, de votre métier, et vous verrez, les consommateurs et les citoyens sont réceptifs. C'est la première région d'Europe en termes de signes de qualité. Ce qui signifie que, d'ores et déjà, depuis très longtemps, le monde agricole et le monde politique de la région ont structuré une stratégie régionale autour des signes de qualité et autour des circuits. Sur ces signes de qualité, il faut évoluer sur le contenu des cahiers des charges, sur la façon avec laquelle les productions vont se faire. Et à l'évidence, qu'est-ce que cherche le consommateur aujourd'hui ? Il recherche du sens et il recherche de la traçabilité. Alors on est maintenant sur une exploitation, celle de Noémie et Loïc. Donc vous venez de reprendre cette exploitation juste avant le confinement. C'était quoi cette exploitation avant ? Alors ça a toujours été une exploitation de volailles. Alors pendant 20 ans, ça a été tenu par les propriétaires de la terre et ils ont fini par changer de vie et revendre au monsieur qui était juste avant nous, mais qui a continué à faire de la volaille. Donc vous, vous avez décidé de reprendre cette exploitation, pourquoi ? Alors déjà parce que avec ma mère, on a toujours travaillé avec cette exploitation. On a toujours travaillé avec ses poulets, ses volailles, et ça a toujours été une très bonne qualité fermière. C'est-à-dire que vous achetiez les volailles pour en faire quoi ? On est rôtisseur volailler, donc en fait on fait de la découpe, on fait de la vente prête à cuire en direct, et on fait également de la rôtisserie classique traditionnelle.
Voilà, et en fait, donc quand on a appris que l'activité allait cesser pour de bon, on a trouvé ça déjà dommage. Et ensuite, on s'est dit que c'était une bonne occasion de produire les poulets que nous rôtissons, en fait. Alors, juste derrière nous, justement, ce sont les poules. Toutes ces petites maisons, ce sont des maisons de poules. Des petites cabanes, exactement. Voilà, des cabanes pour les abriter la nuit, pour les protéger des prédateurs et en cas de pluie également, parce que bon, ça compte quand même de pouvoir les mettre un peu à l'abri. Comment ça se passe, justement, ce type d'élevage? On vient chercher les œufs tous les matins À 2 fois par jour même, parce qu'elles pondent quand même régulièrement. Donc en fait, c'est plutôt à midi, entre 10h et midi, et le soir, avant de fermer. Après, nous, le soir, on ferme les cabanes, enfin les pondoirs, parce qu'elles ne pondent pas la nuit. Et on ne rouvre qu'une fois le jour levé, le matin. Donc elles sont toujours en liberté, comme ça, voilà. Dans le sous-bois. Qu'est-ce qu'elles mangent? Alors déjà, elles ont un mélange de grains. Elles ont du maïs concassé, du blé, un mélange avec des vitamines pour la ponte, vraiment dédiées à la poule pondeuse. Et ensuite, elles ont tout ce qu'elles trouvent sur le terrain, parce qu'elles grattent, elles déterrent, elles cherchent elles-mêmes leur nourriture. Et elles ont quand même pas mal de place. Vous avez combien de poules, là, au total, sur combien de cabanes? Alors, une cabane, c'est 140 pondeuses. On a 2 cabanes de pondeuses. Après, sur l'exploitation du côté cousu, c'est-à-dire avec les poules avec lesquelles on va faire du poulet, on est plus à 200 bêtes par cabane. Donc, vous vendez ensuite les œufs et voilà. Les poulets, mais même les poules pondeuses elles-mêmes, et voilà. On en reparlera tout à l'heure. C'est ça. Vous, ça a été une vraie réorientation. L'agriculture, ça ne vous a pas fait peur? Au départ, si. Lui comme moi, on appréhendait un petit peu, alors que ça soit l'agriculture, l'élevage, même l'abattage, c'est des choses qui... Changement de vie. Voilà, c'est un changement de vie. Puis ça, c'est pas inné, ça s'apprend. Donc voilà, mais l'avantage, c'est qu'on a été vraiment bien conseillés et bien suivis, parce qu'on a tous les professionnels du métier. En fait, on a recontacté les gens qui travaillaient déjà avec cette exploitation et ils nous ont tous aidés, ils nous ont tous aiguillés. Il y a eu vraiment un vrai partage sur les connaissances et sur les façons de faire des éleveurs du coin, etc. Donc on a tout de suite été rassurés. Ça a été beaucoup plus simple, beaucoup moins d'appréhension. Un salon de l'agriculture virtuel, maintenu dans cette forme-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, justement, en fait, nous, ça nous a permis déjà de pouvoir approcher le salon de l'agriculture, parce qu'en réalité, avec tout ce qui s'est passé, avec tout le travail qu'on a à faire, alors même dans d'autres circonstances, ça n'aurait pas forcément été possible pour nous de l'approcher, parce que si ça n'avait pas été virtuel, il faut s'y rendre. Et quand on commence, c'est compliqué de dégager du temps. Mais en plus de ça, avec tout ce qui se passe, il y a très peu de gens qui se déplacent. Et le fait de pouvoir avoir quand même ce salon virtuel, ça permet de se faire connaître, ça permet de rencontrer d'autres éleveurs, d'autres exploitations et de pouvoir avancer sur ce qu'on fait quand même. Je vous propose d'ailleurs de découvrir des paroles d'agriculteurs enregistrées dans le cadre de ce salon virtuel. Elles sont très affectueuses, oui. Mais bon, on leur rend bien aussi. Voilà. Je pense que là aussi, c'est une histoire de confiance. On les nourrit bien, on les bichonne et voilà, vous voyez. Ça, c'est pas farouche. Donc bonjour, je m'appelle Nathalie Demelier. Je suis éleveuse de chèvres et fromagère dans le sud de Vienne avec mon mari David. Donc on est sur la commune de Savigné, à côté de Civray. Alors on est autonome sur l'alimentation des chèvres, c'est-à-dire qu'on produit des céréales, du foin, pour nourrir nos chèvres au maximum, pour savoir ce qu'on leur donne. Et comme on leur donne des bonnes choses, et bien elles nous donnent du bon lait, ce qui nous permet aussi d'avoir des fromages de qualité. On a de la vente directe sur l'exploitation. On a un petit magasin avec donc la réception de clients, bien sûr. Et on a aussi du circuit court. On travaille aussi avec des grandes surfaces, des magasins de producteurs, des traiteurs, des restaurants.
Avec le Covid, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de volume, mais donc la clientèle de secteur est venue encore plus vers nous. Et donc ça, je les en remercie parce qu'on a senti quand même un soutien. Mais on a senti aussi un soutien par rapport aux grandes surfaces avec lesquelles on travaille, qui nous ont mis en avant dans les magasins. Donc on a perdu, oui, mais on a quand même réussi à avoir une clientèle supplémentaire qui a permis de sauver un petit peu. Et les volumes, on a réussi à les gérer en stockant un petit peu, en faisant de la tome et en gérant le fromage comme ça. On s'est adapté. On s'est adapté à la crise, de toute façon, il fallait. Et puis, on a trouvé quand même des solutions intéressantes pour tout le monde. C'est très familial, notre exploitation. Donc, on travaille déjà tous les deux avec mon mari. Donc, c'est vrai que ça, c'est très agréable. Après, on a nos enfants qui sont là aussi sur place, qui nous donnent un coup de main ou qui nous soutiennent aussi quand on a eu des journées difficiles. Et puis vous voyez comment c'est sympa, des petites chèvres, regardez, c'est très affectueux, très espiègle aussi, mais très affectueux. Et puis moi, je parle plus en semaine, donc je transforme à peu près, je fabrique à peu près 1000 fromages la semaine. Et on a donc plusieurs formes, comme vous pouvez voir, il n'y a pas que le chabichou ou le chabi. On a aussi de la bûche, du rond, celui-ci, le ovale, on l'appelle le cabri. On a du carré cendré et on retrouve du carré de couet, donc un fromage très typique de la région. La feuille, elle a deux rôles en fait. Le premier rôle, c'est de garder le sérum dans le fromage, de faire buvard. Donc le sérum, il va monter et descendre et donner un crémeux au fromage. On est en train de retourner les chabichoux du Poitou. Donc c'est des fromages qui ont un cahier des charges. On a un AOP sur le chabichou du Poitou. Donc on a un cahier des charges à respecter. Donc on les retourne une à deux fois dans la journée jusqu'à la vente. Donc ça peut être 10 jours minimum, parce que les chabichoux du Poitou doivent rester au haloir 10 jours, hein, c'est dans le cahier des charges. Donc le haloir, c'est une pièce qui est en température bien gérée, donc c'est une température chez nous de 14 degrés, avec une hygrométrie très importante, parce qu'on peut arriver jusqu'à 90% d'hygrométrie. On a les trois emblèmes du Poitou, que ce soit le chabichou du Poitou, le carré de couet ou le motet sur feuille. Alors ici, donc on arrive sur la partie de l'exploitation qui permet d'accueillir le public, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire tout ce que les clients ont le droit de voir et de toucher, toutes les poules qui sont destinées à la vente directe. Et pour les dernières qui sont là, les mascottes de la ferme, en fait, qui permettent une petite activité pour les enfants qui s'impatienteraient, on va dire, et peuvent au moins aller voir à l'extérieur les poules, le gros coq, etc. Alors, on va parler un peu de ce qui s'est passé pendant le confinement. Oui. Du coup, des poules pondeuses, comme ça, vous en avez vendu beaucoup à des gens qui ont décidé d'aller vers l'autonomie alimentaire. C'est ça. Alors, beaucoup de gens, en fait, ont pris le temps. Tout le monde était à la maison, n'avait pas grand-chose à faire. Donc, tout le monde a pris le temps de faire son propre poulailler, de monter ses clôtures, etc. Et c'est vrai que cette année, ça a été une vraie folie. La poule pondeuse, c'était en demande perpétuelle. Le cheptel n'était pas assez grand et même avec presque 300 poules, il en manque. Alors, dans vos débouchés de vente, vous avez notamment l'entreprise qui a été conservée de rôtisserie par votre maman et votre sœur qui continue à vous acheter, du coup, vos poulets. C'est rassurant d'avoir au moins un débouché comme ça, fixe, pour les moments où les gens sont moins fous des poules pondeuses. Voilà, et des produits de ferme, effectivement. Puis l'avantage, c'est que nous, ça nous a permis de démarrer. Avant même de démarrer, on avait déjà ce marché-là, on avait déjà ce débouché-là, ce qui fait que on a plus prendre confiance et donc démarrer une activité assez grosse dès le départ. Alors que bon, c'est vrai que sans ce marché-là, on n'aurait pas su où mettre les pieds tout de suite.
Donc on va parler maintenant ensemble de ce qui s'est passé pour vous précisément pendant cette période de confinement. Mais je vous propose tout de suite de découvrir un reportage de la rédaction de TV7 sur un food truck maraîcher. Direction tout de suite la métropole bordelaise. Courgettes vertes d'Italie, ici on est en train de planter les courgettes jaunes. Courgettes rondes de Nice, artichauts, petits pois. Les tomates, elles seront là-bas quand elles seront prêtes. Basilic, oignon rouge, et là on a ce qu'on appelle le haricotier. Donc voilà, c'est le potager de la Pastoune, quoi. Bienvenue dans le potager de la Pastoune à Mérignac. 250 mètres carrés de culture maraîchère créée par Antoine et Raphaël pour alimenter en légumes frais leur food truck du même nom. Lancé il y a quelques semaines, ce camion-restaurant, qui en l'occurrence est une caravane, propose des recettes de pâtes. L'été dernier, ces deux compères ont eu l'idée de monter ensemble un projet de food truck tout en proposant à leurs clients des plats élaborés à partir de légumes qu'ils ont eux-mêmes cultivés. Ils lancent une recherche de fonds via une plateforme de crowdfunding. Avec les 12 000 euros récoltés, ils achètent une caravane, du matériel de cuisine, des graines et autres outils de jardinage. Reste à trouver un terrain pour le potager. C'est Rodolphe qui habite juste derrière et qui avait ce terrain depuis longtemps, qui était en friche totale. Il y avait de l'herbe jusque-là. Et l'année dernière, il a essayé de faire un appel à projet un petit peu en proposant à des gens de venir s'installer. Et là, cette année, il a refait un appel et nous, on a répondu présent. Antoine et Raphaël ont mis à profit la période de confinement pour préparer leur potager, lancer la germination des graines. Aujourd'hui, ils mettent en terre leur plan de courgettes. Leur objectif est de produire durant l'année 400 kg de tomates, 200 kg de courges et du basilic en grande quantité, base fondamentale de la sauce pesto. La Pastoune ne propose que des recettes de pâtes, elles-mêmes sont faites maison avec des œufs et de la farine produits localement. La production du potager ne permettra peut-être pas au food truck d'être autosuffisant en légumes frais. Les deux compères ont donc passé des partenariats avec des producteurs locaux pour compléter leurs besoins. Tous deux souhaitent mettre en avant le circuit court sur des recettes élaborées à partir de légumes de saison. Je pense que c'est un vrai argument marketing. En tout cas, nous, dans les autres food trucks qu'on connaît, il y en a très peu qui font du circuit court. Et le circuit court se démarque énormément par rapport à ça. Donc je pense que pour le client, de venir consommer ultra local, c'est un argument de vente puissant. Derrière cette démarche philosophique de l'autoproduction et du circuit court se cache aussi un véritable enjeu économique pour ce food truck. Il s'agit de produire mieux tout en dépensant moins. Avec le confinement, la Pastoune n'a pas encore pu arpenter les différentes zones commerciales et industrielles de la métropole pour proposer des pâtes à leurs clients. Antoine et Raphaël espèrent pouvoir remédier à cette situation début juin. Ils visent une base de 40 couverts par jour pour assurer la pérennité de leur entreprise. Alors en fait, c'est une affaire familiale, ici en quelque sorte. Vous occupez de la rôtisserie, c'est ça, la maman et tout la à fille fait. Et la sœur. Tout à fait, en fait, nous on est au niveau de la rôtisserie pendant qu'elle, elle gère toute l'exploitation, qui est déjà bien. Et ça lui permet aussi d'avoir, comme elle vous a expliqué, toute cette partie déjà vendue, déjà assurée. Et nous, on lui permet une visibilité un petit peu plus proche de Bordeaux, ce qui nous permet aussi une pub supplémentaire. Parce qu'un rôtisseur qui fait du vrai poulet de ferme, aujourd'hui, c'est plus rare. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid, justement? Elle venait de récupérer cette exploitation. C'était un projet familial. Vous avez été solidaire déjà entre vous et peut-être avec d'autres exploitants aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, on venait juste de reprendre l'exploitation. Quand malheureusement tout s'est arrêté, toute la France a été mise en arrêt. Donc du jour au lendemain, Noémie n'avait plus personne qui pouvait arriver jusque sur l'exploitation pour lui acheter les volailles qu'elle produit. Donc on a essayé d'être effectivement efficace et solidaire. On lui a proposé tout de suite de mettre notre camion frigorifique en mutualisation, d'appeler ses clients, d'essayer d'organiser des tournées de livraison. On a proposé à un producteur de Saint-Laurent, Laurent Hulot, qui fait de la fraise et de l'asperge, de prendre ses produits aussi avec nous et de proposer des tournées dans lesquelles on livrait poulet, œufs, asperges, fraises. Voilà. Il y a eu un vrai engouement pour les circuits courts, on en a beaucoup parlé, mais est-ce que vous l'avez vu? Oui, on l'a vu, franchement on l'a vu. Les gens ont été, les gens d'abord étaient en demande pour commencer et ensuite le fait d'aller vers eux, de les livrer, ça a été vraiment tous des quartiers entiers qui se sont mobilisés aussi pour nous aider
et nous pour leur venir en aide aussi, pour qu'ils aient un vrai produit qui arrive chez eux, et pas que des produits sous vide qui malheureusement ne correspondaient plus aux besoins du moment. Justement, comment est-ce que vous évaluez cette évolution du besoin du moment? Qu'est-ce qui a changé avec ce confinement? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Une prise de conscience de d'où vient le produit, ce qu'il est vraiment, et comment il arrive jusqu'à chacun d'entre nous. Les gens ont pris conscience que pour avoir un poulet dans leur assiette, il y avait un producteur, pas uniquement une grande surface. Parce que là, tout d'un coup, la grande surface, c'était plus possible, sauf dans certaines conditions et encore extrêmement. Et du coup, oui, il y a eu un vrai engouement pour les circuits courts. Un vrai, vrai engouement. Et heureusement aussi qu'on a pu, nous, développer une partie digitale et numérique, parce qu'il fallait pouvoir expliquer aux gens ce qu'on produisait, comment on le produisait, pourquoi c'était bon, et ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour arriver jusque chez eux et leur livrer un produit de ferme directement chez eux. Donc l'agriculteur de circuit court, c'est pas tout à fait le même métier. Il faut qu'il fasse un peu d'internet, un peu de code. Ah, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il soit multitâche. Aujourd'hui, on ne peut plus... En fait, c'est plus l'agriculture où il y a un fermier qui fait juste son petit élevage et on voit après. Ah non, non, aujourd'hui, il faut être partout, tout le temps et au maximum et avec les gens et proche d'eux et leur expliquer à quel point c'est difficile. C'est difficile parce que nous, on est une famille, donc on le comprend, on s'entraide, mais quand c'est des étrangers, je pense que c'est vraiment, vraiment difficile. Nous, on l'a vu avec Noémie, quand elle a ouvert et qu'elle s'est retrouvée comme ça, on s'est dit, mais solution, vite solution. Mais c'est, voilà, moi, c'est ma petite sœur, c'est sa fille, c'est normal. Quand c'est pas le cas, je pense à tous ceux dont c'est pas le cas, ça a dû être vraiment beaucoup plus difficile. Alors, on va aller voir votre boutique que vous avez organisé ici, mais qu'est-ce qu'on fait pour que le monde d'après reste favorable aux agriculteurs, que les circuits courts perdurent, qu'est-ce qui pourrait aider à ce que ce ne soit pas juste 2 mois, parce qu'on imagine bien que 2 mois, c'est peut-être pas assez d'engouement pour les circuits courts? 2 mois, c'est un peu juste, effectivement. Et pour que l'agriculture, telle que vous la voyez là, avec des produits sains, élevés à la ferme, pas juste du plein air, vraiment des bestioles qui sont nourries avec du vrai maïs, avec des jeunes qui leur donnent à manger à la main, pour que ça puisse durer et perdurer, il faut que l'agriculteur, déjà, il soit payé correctement. Et pour ça, il faut qu'il puisse vendre correctement. Donc il faut que les gens continuent de se mobiliser pour qu'effectivement nous on puisse continuer de les livrer. Ça c'est la première chose. Il faut faire beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent que notre objectif, nous, c'est pas de vendre beaucoup, c'est de vendre bien et de vendre bon. Déjà, pour commencer. Ensuite, effectivement, oui, il y a des rôtisseurs comme nous qui vendent du vrai poulet de ferme. Et je pense que c'est cela qu'il faut privilégier. Il faut essayer de se tourner vers ces gens-là. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est produit comme ça, où c'est produit comme ça, et regarder ce qui se passe dans toutes les agricultures. Et essayer effectivement de continuer. Alors le digital nous aide aussi, parce que les réseaux sociaux, c'est important. Et plus il y a de monde qui dit à son voisin, moi je connais un agriculteur qui produit bien, sain et pas loin, et plus on a de chance d'y arriver. Est-ce que ça va suffire? On a quand même connu une crise des gilets jaunes pendant plus d'un an. Les gens se plaignent de ne pas avoir un pouvoir d'achat assez élevé. Est-ce que finalement, bien manger, c'est pas un truc de riche? Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Alors, je sais qu'on se dit souvent que tout ce qui est circuit court, naturel, fait à la ferme, et le bio notamment, c'est plus cher, etc. Je ne vais pas parler du bio parce que ce n'est pas notre credo. Nous, on est sur un poulet élevé à la ferme. Voilà. C'est un poulet qui n'est pas plus cher qu'ailleurs. Et ça, vous pouvez le comparer et je vous assure que ce n'est pas plus cher qu'ailleurs. Le prix au kilo est le même que si vous allez chez le boucher ou si vous allez dans certaines grandes surfaces où on vous vend un poulet dit fermier. Donc non, ce n'est pas plus cher. Ce n'est pas vrai. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux pas manger moins de viande, mais en manger mieux? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, les éleveurs qui disent qu'il faut manger moins de viande, ça, c'est collecteur. On va le garder. Oui.
pour vous, justement... Faut pas gaspiller le truc, c'est ça. Là, on a des jeunes qui s'installent, on a des circuits courts. Si vous deviez, pour terminer, faire l'agriculture de rêve du monde d'après, ce serait quoi? Jusqu'où on pourrait aller pour que les choses aient du sens, selon vous? Alors moi, je pense que d'abord, il faut, privilégier tout ce qui est autour de nous au plus près, pour commencer. Mais il ne faut pas se priver de ce qui est plus loin. Parce que ce n'est pas parce qu'on est agriculteur de circuit court qu'on est contre le produit qui arrive d'ailleurs. On n'est pas non plus... Vous ne sentez pas menacé par des tomates d'Espagne, en revanche, peut-être plus par des volailles d'Europe de l'Est On ne se sent pas menacé du tout, en fait. Moi, je ne me sens pas menacée du tout, parce que je ne fais pas de la volaille comme ils la font dans l'Europe de l'Est. Donc, je ne me sens pas menacée. Maintenant, chacun doit prendre conscience de ce qu'il mange. Je pense que la question, elle est là. Chacun doit prendre conscience de ce qu'il mange. Et ça, c'est important. La tomate d'Espagne, si elle est produite dans de très bonnes conditions, très bien. Moi, je respecte. Le tout est de savoir si ça correspond à ce qu'on a envie de manger. Et moi, je préfère manger une tomate dans laquelle il n'y a pas de pesticides et qui vient de pas trop loin. D'abord parce que ça protège ma planète, parce que plus ça vient de loin, plus le prix de la taxe carbone coûte cher. Merci, en tout cas, de nous avoir accueillis ici sur l'exploitation et dans la boutique. Donc ça, ce sont les fameux poulets. Hein, c'est ça. voilà, les vrais poulets. Il y a des vrais œufs aussi, ouais. Pas loin. merci à vous de nous avoir suivis. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Une nouvelle émission arrive juste après celle-ci. Maintenant, on va s'intéresser de près aux jeunes dans l'agriculture, les problématiques d'installation, justement. On vient peut-être d'en toucher un mot. Également, tout ce qui concerne les concours et la passion des concours de ces jeunes, c'était des sujets de ce salon de l'agriculture virtuelle. Donc, on se retrouve tout de suite sur TV7.